Cap sur l'île du Large, à présent l'une des deux que forme l'archipel Saint-Marcouf. Elle abrite un fort napoléonien qui subit les assauts du temps et comme chaque année, des chantiers de restauration sont organisés par une association. Vous voyez ce reportage réalisé avec Thierry Cléon. C'est un joyau préservé. L'île du Large Saint-Marcouf est fermée au public. Mais durant 3 mois de l'année, ce territoire accueille quelques amoureux du patrimoine. Le temps d'une semaine, ces bénévoles s'isolent du reste du monde et s'attellent à choyer ces fortifications érigées au XIXe siècle par Napoléon III. Donc même si je ne suis pas un spécialiste, à mon niveau, j'amène ma pierre à l'édifice. Voilà. Et chaque geste compte pour ces constructions laissées à l'abandon pendant un siècle. On est dans une zone quand même de météo dure, de mer un peu dure. On peut avoir des vagues de près de 5 mètres de haut ici qui viennent s'abattre sur le rempart. Et ça, c'est assez destructeur. Un peu plus loin, d'autres passionnés de vieilles pierres œuvrent sur la digue. Mais au-delà du travail de restauration, les apprentis ouvriers sont aussi là pour vivre une aventure unique. Puis ça fait toujours du bien aussi de se retrouver sans connexion, de se retrouver sans contact, etc. et de se mettre un petit peu à l'épreuve. Le fait de voir la côte de loin, mais de savoir qu'on ne peut pas y aller facilement, justement, ça permet de se dire bah là, on n'est pas coincé finalement, on a choisi d'être là, mais du coup, autant le vivre à fond, respecter l'île à fond et adopter tous les codes de l'île. Une île déserte, pas d'eau courante, confort rudimentaire, mais le partage de plaisirs simples assuré. Ils ont besoin de manger hein, parce qu'ils bossent dur et puis c'est très convivial en fait. C'est le moment où il y a où les liens se tissent et c'est important le repas. Jusqu'au mois d'octobre, des Robinsons seront à la tâche pour vivre une expérience conviviale, loin de la frénésie du quotidien, avec un objectif commun, sauvegarder le patrimoine de cette île, classé monument historique.